Oh, salut! Pourraient se dire nos ancêtres en nous voyant ainsi. Tu penses qu'ils auraient pitié? Qu'ils seraient tristes de ce qu'on est devenu? Nous sommes toujours des Salento. Teylan parle à peine notre langue. Mais c'est vrai qu'il a toujours préféré les mots humains. Alma dit que nous avons seulement besoin de temps. Alma n'est pas Na'vi! Pourquoi la RDA est revenue ici? Ils n'en ont pas fini avec Pandora. Ils veulent toujours plus. Alors il faudra se battre. Oui. Ahari l'aurait également voulu. T'écoute. Oh, enfin. D'autres unités de la RDA se dirigent vers eux. Vas-y. Je vais rejoindre Ignella et Teylan. On fera en sorte de protéger le QG.
Ok, j'y vais, Priya. Toute cette fumée, ça risque d'attirer la RDA vers le camp. J'arriverai avant eux, je te le promets.
Ok, j'y vais, Priya. J'arriverai avant eux, je te le promets. Non, je peux pas. Le temps presse. Thank you.
Comment ils nous ont trouvés? Aucune patrouille ne passe par ici. Ils sont à notre recherche maintenant. Oh. Ok. Ça va aller. D'accord? Écoute-moi bien. Ça va aller. Regarde. Tu as déjà vu ce genre de choses? Non. Nekrat, c'est facile. D'autres vont bientôt arriver. Il faut que je le stabilise. Alors fais vite. Il y a une raffinerie un peu plus loin. Je vais essayer d'attirer la RDA là-bas. Ne les laisse pas approcher d'Alma et d'Adjir. C'est bon, tu vas y arriver. Je reviens vite. Je vois d'autres soldats arriver. Attention. Quoi? Où ça? Respire. Utilise au mieux ton environnement. Les sous-doutés tomberont dans tes pièges. Je pense que c'est terminé. On n'est pas encore tiré d'affaire. Adjir saigne toujours. C'est grave. J'ai besoin d'une trousse de soins. Il y a des réserves pas loin. Du matériel médical, au cas où. Je vais en chercher. Tiens bon!
Alma, j'ai trouvé le matériel. Je fais au plus vite. Fais vite. S'il te plaît, fais vite. Salt Lake, il y a un autre navire par ici. Il va m'aider. Beaucoup d'AMP. C'est la première fois que j'en vois autant. Ce sont les jouets préférés de Mercer. Tu as l'esprit vif. Je suis désolée de pas avoir pu t'aider. J'ai eu de l'aide. Salt Lake a fait diversion. Et tu as vu cette Navi? Les Ikran sont sans peur. Et ils protègent farouchement leurs chevaucheurs. Un scorpion de la RDA ne fait pas le poids face à eux. Marcheur de rêve et Totouté. Vous combattez ceux du ciel sans aucune aide. Vous êtes courageux. C'était incroyable, la manière dont tu as détruit cette chose. Merci. Attends. Tu portes la marque. Tu es Sarintou. Les compteurs, les faiseurs de paix. Mon père dit que ton clan a disparu il y a des années de cela. On vous croyait tous morts. L'esprit des Sarintou ne s'éteint pas si facilement. J'espérais seulement trouver la résistance ici, mais... les Sarintou... Je suis Etua, Tsarik, de Aranae. Je connaissais ta mère. Je suis navrée. Notre maison souffre également. Ceux qui viennent du ciel nous envahissent et la terre se meurt juste sous nos pieds. Cependant, mon peuple, l'arbre maison, nous ne sommes pas des guerriers, mais la guerre est là. Mon père refuse toujours de se battre, mais il connaissait les Sarintou. Il vous écoutera. Il le faut. Il faut que je les ramène. Les autres, il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé. Bien sûr, je vais t'aider avec tes blessés. Mon arbre maison n'est pas loin d'ici. Dis-leur que je t'envoie. Mais ils ne pensent pas tous comme moi, alors s'il te plaît, ne va pas dire que je t'ai... aidé. Que les courants du vent portent ton esprit.
Sotlek, un autre Na'vi est venu m'aider. Et toi, du clan Aranahe. Elle m'a dit de venir à leur arbre maison. Peut-être que d'autres Na'vi vont nous rejoindre. Ça m'étonnerait. J'ai déjà essayé. Ça s'est mal passé. Leur chef, Ka'anat, m'a presque jeté dehors. Il n'est pas facile à convaincre. Il n'a pas peur de la RDA ? Thank you.
Qu'est-ce que c'est? On dirait un Sarentu. Un Sarentu? Du clan disparu? Regarde sa marque. Ce doit être autre chose. Les Sarentu ont disparu depuis longtemps. Nous devons en informer Ka-Nat. Laisse-le passer. Les éclaireurs de l'arbre maison le verront. Thank you.
Priya, j'ai trouvé un dossier de la RDA. On dirait la commande d'un botaniste. Et il y a une photo. Une photo d'un lieu. Je vais aller voir.
Il faut qu'on rattrape le temps perdu. Toi ! Attends ! Je n'en ai jamais vu comme toi avant. De quel clan es-tu ? Quelle étrange vision. Et Toa m'a invité ici, pour rencontrer son père. Qu'as-tu sur le visage ? C'est la marque des Sarentu. Mais les Sarentu que nous connaissions n'auraient jamais défié Ewa avec cette ferraille humaine. Je ne connais rien d'autre. Ils nous ont pris quand nous étions enfants. Ils ont pris tellement de choses. Tu es parti bien longtemps. Et tu es encore jeune. Ton esprit a-t-il été façonné par les Sautouté ? Ou te souviens-tu des coutumes de ton clan ? Allons, veux-tu ranger cela ? Le regard vif, digne des Sarentu, mais plus intense. Laisse l'arbre maison te soulager de tes fardeaux. Nous allons ajouter de la couleur à tes joues, ou à ta tenue tout du moins. Ici, tu vas renouer avec les coutumes de ton peuple. Oh, leurs histoires me manquent tellement. Ils aimaient récolter la soie, la douce odeur de la teinture, Mayantu. Kanat. Je m'occupe du Sarentu. Le pauvre enfant ne connaît rien de nos coutumes. Va. Nous parlerons quand tu seras installé. Je dois retourner parler au père des Toa, lui parler de la résistance. Plus tard, Mayantu. Il est notre holo Ektan, le chef de notre clan. On va d'abord te nettoyer un peu. Ta vue pourrait effrayer un Hansik. Et puis, je te déconseille de lui parler de ceux qui viennent du ciel. Ils ne sont que problèmes, et Kanat n'aime pas les problèmes. Je vais plutôt te faire visiter. Hein? Tu es de quel tu clan? Tu veux bien? Oh! Cela fait une éternité que nous n'avons pas accueilli de Sarentu. Les tiens rendaient nos vies plus intéressantes. Une fois, ils nous ont raconté l'histoire du rare rituel d'accouplement des Akrou géants. Apparemment, il peut durer des jours. Mais je te raconterai ça plus tard.
Notre grand arbre renferme de nombreuses histoires. Laisse-moi tranquille. Il a vécu tant de vies, accueilli tes ancêtres comme toi aujourd'hui. Et aucun Sarentu n'a jamais pu résister à notre danse des couleurs. Viens, viens voir mes tisserands. Koranu, mon ami, regardons ton œuvre. Magnifique soie, n'est-ce pas? Elle n'est plus aussi résistante depuis que les fleurs des Kinglor se sont fermées. Mais tu ne trouveras rien de mieux. Elle est bien plus solide que la laine de Zaklou, tu peux me croire. N'en déplaise à ces essois prétentieux. Koranu est une brillante tisserande. Elle t'aidera dans tous tes labeurs. Oui, j'ai besoin de me changer les idées. Ça fait des heures que j'y travaille et je ne suis pas encore satisfaite. Tu vois ça? Si ce n'est pas parfait, profite de toute cette beauté. En parlant de ça... Oh, je pense que nous pouvons faire mieux que ça. Reloun! Tu as enfin décidé de me faire l'honneur de ta présence. Et avec un Sarentu, qui plus est. Intéressant, tu ne trouves pas? Une autre âme perdue a guidé à travers les sillons rocheux de la vie. Le progrès t'attend, Sarentu. Ah, il m'en veut toujours. Si tu es futé, tu ne la laisseras pas te remplir la tête de soie et de teinture. Le goût est le cœur des Aranae. Reloun est un peu colérique, mais c'est le meilleur cuisinier. Et il le sait. Et voici mon ami, Kitangi. Nefika, tu prends déjà le jeune Sarentu sous ton aile? Il en aurait bien besoin. Oh, regarde-moi un peu ses vêtements. Lamentable. Aussi hirsute qu'une pousse griffue. Tu n'as pas hérité de la grâce de tes ancêtres. Eux savaient comment s'habiller. Désolé, je n'ai jamais rien connu d'autre. Qu'importe, tu brilleras de nos couleurs désormais. Tu ne feras qu'un avec la forêt, ma Yantu. Notre soie